Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'orbe et qui côté on approche voir nous. C'est Funny News qui encore une fois entre la chaos. Nous portons pour toute actualité cap domine actualité à dans le pays d'Haïti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci, super branché, Chanel Founijé ou même qui est toujours là. Merci pour ce que tu as cliqué sur vidéo ça. Et merci pour ce que tu as cliqué sur like ou que tu as partagé. Ou même qui pour quoi abonner à Chanel ça. Si vous plaisir pour moi, m'invitez à faire ça, cliquez sur s'abonner. Et puis, activez la cloche de notification. Comme ça, toujours recevoir une notification à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo. Pas oublier de quitter un like dans la vidéo ça et dans toute l'autre vidéo. Sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le grand titre qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et journée aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons parler aujourd'hui sous extradition ou du moins sous arrestation d'un baron drogue dans le pays d'Haïti. Par les Américains, et bien yo et vini dans le pays d'Haïti là, en parlant des Américains, gens que yo kon fè avec quelques nègres, takou Guy Philippe, et bien yo fouke yon nègre là, nous parle faire connait dans qui circonstance et pour qui ça, et yo fouke citoyen ça. L'autre point cap domine actualité a dossier kidnapping Gracia Delva lui-même li blanchi par la justice haïtienne. Officiellement, eh bien, Gracia Delva la, il y a une ordonnance qui rend en faveur li côté que et yo innocenté li là sous accusation qui t'a fait sur lui qui t'a gain pour avec question kidnapping. L'autre bagaille nous pral parler, eh bien, c'est un sitting qui fait devant la caille Premier ministre Ariel Henry. Eh bien, sitting ça, il pas gain ni de ni trois moun la donne, c'était des avocats qui t'a manifesté. Parler comme ça ou pas connait pour qui ça. Avocat ça même t'a manifesté qui ça ou t'a demandé exactement pour Premier ministre Ariel Henry fait pour qui ça qui était revendication. L'autre point qui est actualité a c'est Martin Moïse qui lui-même fait des déclarations dans l'occasion 9 mois depuis Jovenel Moïse lui-même l'était joindre assassinat la caille bien Martin Moïse comme il toujours fait ça chaque mois. Li fait des déclarations que nous prenons et détaillées pour vous dans quelques secondes. C'est tout pour ça avec quelques autres nous parlons bien pour nous développer pour vous. Journée aujourd'hui dans la vidéo ça. Restez branchés, nous tournons tout de suite. Nous retournons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour développement actualité. Hein? Premièrement, nous allons parler de narcotrafic haïtien qui est même extradé vers les États-Unis pour une deuxième fois. Eh bien, c'est un citoyen qui était déjà extradé vers les États-Unis par le passé, qui est même joué une arrestation là et encore journée qui était 7 avril, jeudi 7 avril 2022. Il a été remetté là par des agents de l'ADA. Nous connaissons que l'ADA, c'est lui-même qui occupait à faire drogue, traquer et des dealers de drogue et pour les États-Unis, mesdames et messieurs. Eh bien, monsieur là, il était accusé de trafic de cocaïne. N'a fait connaître que monsieur était gagné un mandat d'arrêt international contre lui. Et le 22 mars 2022, il a été arrêté monsieur dans le pays d'Haïti et par des agents du bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, le BLTS. Eh bien, et officiellement, il a remis monsieur par l'autorité américaine. Yo. Et hier, qui était 7 avril là. Eh bien, par le passé, je nous ai dit ça, monsieur était déjà arrêté par les autorités haïtiennes dans l'année 2023 pour trafic de stupéfiants. Et on était extradé, monsieur, dans le pays des États-Unis, côté que lui était condamné en 2005 à 20 ans de prison, mesdames et messieurs. Après que monsieur était fini purger une peine de 10 ans. Et dans la prison, mesdames et messieurs, après que M. Téfine passé 10 ans en prison, il a été libéré et il a été déporté dans le pays d'Haïti. Il a été arrêté de nouveau en Haïti le 20 octobre 2020, côté qu'il a été joint dans le et des armes et des stupéfiants. Donc, son nègre qui était sémanté pour ne pas quitter le métier vendeur, mesdames et messieurs, malgré M. Téfine purgé en peine de 10 ans de prison, et bien, il a continué dans l'activité dans le pays d'Haïti. Et après ça, il a été libéré, monsieur, après il a été arrêté le 27 octobre 2020, il a été libéré, monsieur, le 27 octobre 2022,
suite à une ordonnance judiciaire. Donc on est dans le pays d'Haïti et c'est comme ça, au moins fois ça, il y aurait mettre monsieur par autorité américaine yo, qui certainement praler et traiter cas et citoyen ça. L'autre point qui est d'actualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, sénateur Gracia Delva est désormais là, monsieur capable de rester, qui propose, parce que il y a un juge qui blanchit Gracia Delva là, eh bien, juge qui tape et instruit dossier ça, lui rend ordonnance qui côté que lui innocenté Gracia Delva. Sénateur Latibonite Gracia Delva qui lui-même était indexé dans le kidnapping de citoyens qui relaient Jean-Nil Michel, lui-même l'été blanchi par juge d'instruction Merlin Bélabre dans ordonnance que l'Iran le 21 décembre 2021. Sénateur Gracia Delva est lui toujours lui-même clamé innocence lui dans dossier ça, mais cependant des relevés d'appels téléphoniques t'ont montré à direction centrale de police judiciaire que l'Italien habitude communiquer avec ancien chef gang Arnel Joseph que nous connaît qui mourit qui lui-même c'était principal suspect dans kidnapping ça après que Yotefin tendait sénateur dans cabinet d'instruction et puis Yotefin tendait victime dans tout qui c'est Jean-Nil Michel qui lui-même pas tenu aucun argument contre parlementaire là côté que monsieur était même déclaré que sénateur lui-même l'était aidé pour l'était capable joindre accompagnement pour libération li. De plus après analyse magistrat lui-même l'y fait le juge instructeur Merlin Bélabre eh bien lui pas retenu aucune charge contre l'accusé en l'occurrence Gracia Delva. Dans l'ordonnance l'Iran dans le 21 décembre 2021, li blanchi sénateur Tibonite là. C'est ordonnance qui salué par sénateur là qui lui-même toujours dit li pa konnen rien. Gros mouvement fait devant résidence Premier ministre Ariel Henry Jodia pour exiger délocalisation par l'aide justice là. Eh bien des avocats du barreau de Port-au-Prince yo même yo té réalisé là yon sitting journée jeudi vendredi 8 avril 2022 du côté de Musso à Delma devant entrée résidence officielle Premier ministre Ariel Henry pour être capable exiger délocalisation de tribunal de première instance de Port-au-Prince qui trouvait li dans boulevard Harry Truman. Eh bien depuis quelque temps violence gang yo ran peu fréquentable institution étatique qui située dans zone ça. En décembre 2021, des avocats du barreau de Port-au-Prince ont été enlevés dans les parages du tribunal de première instance par des individus armés. Eh bien, avocats là, ont demandé au Premier ministre là pour lui faire coûte que coûte pour déloger le tribunal là dans zone ça à cause de problèmes d'insécurité parce que même ont besoin de travail en toute quiétude parce que bandits pas quitté et travaillent en paix dans zone ça côté que tribunal là lui-même l'y trouvé lui. Pour nous finir, Martine Moïse lui-même lui fait les déclarations journée qui était 7 avril 2022 en occasion 9 mois depuis président Jovenel Moïse te joint dans l'Amoli la Kaili et Martine Moïse a fait connaître que 9 mois après que Maril Jovenel Moïse lui-même l'a été assassiné, est-ce que enquête sous crime ça lui-même l'a assassiné tout? C'est Martine Moïse qui a parlé, lui fait connaître que lui dit ça parce que jusqu'à présent par une pièce juge instruction qui travaille sous dossier. Martin Moïse fait connaître que l'IPAP a abandonné la continue travail à toute force pour le capable de jouer une justice pour le peuple haïtien et pour Maril. C'est ça que Martin Moïse lui-même déclaré sur les réseaux sociaux côté que lui publié notre ça. A noter que un mois après désignation, un quatrième juge instruction qui c'est maître Merlin Bélabre, même juge ça qui blanchit Gracia Delva dans affaire kidnapping là. Un mois après que yo te fin désigné monsieur sous dossier Jovenel Moïse là, et a noté tout que juge ça il gagne un mandat de seulement 3 mois pour lui capable instruire dossier ça, et bien lui pour même recevoir dossier.
voir pour l'État comment c'est lié. Et ainsi va, mesdames et messieurs, le dossier de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse dans la justice haïtienne. Donc, actuellement, doyen et tribunal et première instance de Port-au-Prince, qui se juge Bernard Saint-Ville, il était même fait connaître que dossier lui-même, document retrouvé au journée jodien, dans une banque dans la capitale là, il pas mentionné qui banque. Voilà mesdames et messieurs, c'était petit coup de vidéo ça nous t'ai porté pour aujourd'hui jodiant pita. N'a bien pour nous venir avec une nouvelle vidéo avec image ça qui t'a passé dans la rue Port-au-Prince journée jodiant et plus précisément dans l'entrée la caille Premier ministre Ariel Henry. Nous allons venir avec toute déclaration Maître Reynold George qui lui-même a fait gros déclaration côté que monsieur même déclaré que Jovenel Moïse c'est pas colombien qui t'a tué lui et monsieur fait l'autre gros accusation par exemple sur Martine Moïse avec ancien premier ministre Claude Joseph. Donc nous allons venir avec déclaration ça au bout avec pile l'autre information. Donc restez branchés, quittez un like dans vidéo ça, partagez-le, abonnez à la chaîne là. Nous remercions pile, ciao ciao, à la prochaine.